Je pense que c'est important de respecter autant le travail de Maïwenn qui filme comme elle le fait. Et ses films sont très bien. Je respecte beaucoup ses films. Mais par contre, je pense que c'est important aussi de pouvoir s'exprimer comme le faisaient des mecs comme Kubrick ou comme le fait Steven Spielberg qui, dans leur cinéma, dans leur manière de filmer, essayent de dire quelque chose, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont pas, le moindre plan a une signification. C'est pas, et je pense que c'est important. Nous, je trouve qu'en France, le problème du cinéma français, c'est qu'on considère la mise en scène dans l'espace et pas le travail de mise en scène au niveau de l'image. Et donc, on fait plus de, moi, je trouve qu'on fait plus de la captation en France que de la mise en scène. Pour moi, c'est on filme un film de long métrage comme on filmerait une série télé. Tu vois, là, je viens de faire un épisode de Crossing Line et à un moment donné, tu fais de la captation. T'as pas le temps. Tu dois tourner 9-10 pages dans la journée. Tu fais un master, des champs contre champs sur les acteurs et quand tu as un minimum de temps, t'essayes d'y mettre de la mise en scène, quoi. Mais pour moi, c'est primordial de pouvoir raconter quelque chose avec sa caméra et je trouve qu'en France, 90% des films sont faits comme de la captation de pièces de théâtre. Mais vraiment. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il faut qu'on se serve de cet outil comme un peintre se sert de ses pinceaux pour appliquer des couleurs. La caméra doit servir d'outil pour raconter et avoir une signification dans les plans. Après, je vais me faire insulter d'avoir dit ça, mais j'en ai rien à foutre.